chaussures aux talons brisés. Dont il n'y a pas moyen de s'échapper. Dont il n'y a pas moyen de s'échapper. Vous ne connaissez pas l'histoire. Frank lui avait fait croire qu'il était un ami de son père et qu'il venait pour la surveiller. C'était une surveillance plutôt bizarre, bien entendu. Elle s'en est rendu compte un peu tard. Le soir où il a voulu pénétrer dans sa chambre, comme par hasard, sous un prétexte d'ailleurs absurde, il prétendait lui donner une explication. Le fait qu'il... Une fois de plus, je m'avançais, seul, le long de ces mêmes couloirs, à travers ces mêmes salles désertes. Je longeais ces mêmes colonnades, ces mêmes galeries sans fenêtres. Je franchissais ces mêmes portails, choisissant mon chemin comme au hasard, parmi les dédales des itinéraires semblables. Cet hôtel immense, tout était vide. Salon vide, couloir, salon, porte, porte, salon, chaise vide, fauteuil profond, escalier, marche, marche l'une après l'autre, objet de verre, verre vide, un verre qui tombe, paroi de verre, lettre, une lettre. Clés pendues à leurs anneaux, clés numérotées des portes, 309, 307, 305, 303, lustre, lustre, perles, miroir, corridor vide à perte de vue. Et le jardin, comme tout le reste, était désert. C'était l'année dernière. Ai-je donc tellement changé? Ou bien faites-vous semblant de ne pas me reconnaître? Un an déjà, peut-être plus. Vous, du moins, n'avez pas changé. Vous avez toujours les mêmes yeux absents, le même sourire, le même rire tout à coup, la même façon d'étendre le bras comme pour écarter quelque chose, un enfant, une branche, et de ramener lentement la main vers le creux de votre épaule. Et vous portez aussi le même parfum. Souvenez-vous, c'était dans le jardin de Frédéric. Vous étiez seul à l'écart. Vous teniez un peu de biais contre une balustrade de pierre sur laquelle votre main était posée, le bras demi-étendu. Vous regardiez vers l'allée centrale. Je me suis avancé vers vous, mais je me suis arrêté à une certaine distance, et je vous ai regardé.